combat de Tancred, c'est une histoire d'amour qui se termine très mal. Tancred aime Clorinde, qui est une guerrière, hein, une sorte d'Amazone, et elle le défie avec toute son armure, elle le défie puisqu'elle est du camp adverse, et il n'a pas reconnu, et ils vont s'engager dans une bataille mortelle, elle est aussi forte que lui. Le bal des ingrates, alors là on est dans une histoire beaucoup plus sophistiquée. Vénus et l'amour viennent prier Pluton, le dieu des enfers, de faire sortir des enfers toutes ces ingrates, c'est-à-dire ces femmes qui n'ont pas assez aimé, qui ont négligé l'amour pendant leur vie, pour qu'elles puissent témoigner du fait qu'effectivement elles ont péché dans ce sens qu'elles n'ont pas assez aimé. Et donc on les fait sortir pour voir tout ce qu'elles loupent, c'est-à-dire le soleil, la lumière, toute la beauté, la vie. La fin du travail sur une idée de chercher comment mettre les deux madrigaux ensemble. J'avais commencé avec l'idée d'un enfer et on a vu ensemble comment mettre le combat à l'intérieur de cette œuvre. Donc on commence avec le bas et à un moment donné, on a le combat comme une pièce jouée à l'intérieur d'une pièce, dans un théâtre. Je pense que le combat, ce qui se passe là, ces deux guerriers qui s'aiment, qu'à la fin on trouve qu'il a tué, c'est aussi inimaginable. C'est quelque chose. Mais ils ont été pris par la soif de sang, par leur ego, par tout ce qui n'était pas l'amour en fait. Et ça n'a pas d'époque. Enfin, oui. Que ce soit 17e ou maintenant, c'est oui. Exactement pareil. Et là on rejoint les ingrates dans le bal qui ont refusé. L'amour. Et je pense que c'est très important peut-être d'ajouter que c'est pas limité aux femmes. C'est ça qu'on a. Non, non. Ça c'était assez important. Je pense tout de suite de voir les ingrates comme on les est ingrats. Tous des ingrates. Oui, tout à fait.